Le mont Everest, un sommet synonyme de rêve, d'espoir et parfois de mort. À ses pieds s'étend une région d'une incroyable diversité. C'est la terre d'un peuple qui a su s'adapter à la rudesse du climat, les Sherpas. Voici l'histoire de quatre d'entre eux. Purba vient d'un village isolé situé en forêt dans la région de Makulu. Nima Tenji vient de Lukla, au lieu du tourisme himalayen. Il vit dans deux mondes que tout oppose. Le contraste est grand entre le paisible village de montagne et l'agitation de la capitale népalaise. En vivant à Katmandou, Nima, lui, pense pouvoir offrir un meilleur avenir à ses enfants. Gelu est le quatrième Sherpa. Au cours d'une cérémonie bouddhiste, ils se préparent à vivre ensemble l'une des aventures les plus extraordinaires de leur vie, l'ascension du mont Everest. Ils espèrent en percer le mystère. Leur quête les mènera sur les traces d'Enmun Ilari et Tenzing Norgay, les premiers hommes connus à avoir atteint le sommet de cette montagne monumentale. Sous la houlette de l'alpiniste autrichien Theo Fritzsche et de l'allemand Jörn Emleb, historien de l'alpinisme, les quatre Sherpas se mettent en route au printemps 2011. Au fil des décennies, plusieurs expéditions ont tenté sans succès de déterminer qui était parvenu le premier au sommet de l'Everest. Une information que ces quatre Sherpas espèrent découvrir aujourd'hui. En route pour le sommet le plus élevé au monde, à travers le village népalais du district du Solukhumbu. Sous les regards curieux des jeunes et des aînés, l'équipe d'alpinistes, de guides et de porteurs avance, prenant de l'altitude à chaque pas. Le paysage est à couper le souffle, au sens propre comme au figuré. L'altitude commence à se faire sentir dans les poumons. Des sensations que les premiers explorateurs du XXe siècle ont éprouvées. À l'époque, un groupe d'aventuriers britanniques a engagé des porteurs Sherpas. D'abord pour partir en reconnaissance, puis pour l'ascension elle-même. Parmi ces pionniers se trouvait un professeur, George Mallory, et un étudiant d'Oxford passionné de sport, Andrew Irvine. Au début du mois de juin 1924, ils commencent leur ascension vers le col nord du côté tibétain. De là, ils ont l'intention de s'attaquer au sommet. Plusieurs équipes avaient déjà échoué. Cette fois, c'était au tour de Mallory et d'Irvine de tenter leur chance. Les deux hommes ont été aperçus pour la dernière fois aux alentours de midi, pas très loin du sommet. Puis, ils ont disparu corps et biens pendant des décennies. Ont-ils vaincu l'Everest avant qu'il ne les engloutisse? Pour en savoir plus sur le sort des deux alpinistes britanniques, Jörn Emleb, historien de l'alpinisme, a rejoint une expédition internationale en 1999. Dès le premier jour, un corps momifié est retrouvé sur une pente raide. Il s'agit forcément d'Irvine ou de Mallory. Le doute sera levé grâce à l'étiquette d'un vêtement. George Mallory. Oh, c'est fou! En 2010, Jörn Emleb repart avec une expédition autrichienne dirigée par Theo Fritzsche qui a gravi 5 sommets à 8000 mètres d'altitude. Beaucoup pensent que Mallory et Irvine n'ont pas réussi à surmonter la partie la plus difficile de leur parcours, ce qu'on appelle la deuxième étape, une paroi de 40 mètres à 8600 mètres d'altitude.
Mais Theo Fritsche, un membre de l'expédition, a gravi ce passage, en solo et sans corde, en 2001. Et il pense que Mallory et Irvine ont pu y arriver aussi. En 2001, j'ai abordé l'Everest habillé avec des vêtements ordinaires. Je n'avais qu'un blouson de survie dans mon sac à dos et pas de réserve d'oxygène. Je voulais gravir la montagne avec des moyens simples. D'après ce que je sais aujourd'hui, Mallory ou Irvine, au moins l'un des deux, a pu atteindre le sommet. L'expédition de 2010 a échoué à cause du mauvais temps. À peine un an plus tard, Theo Fritsche et Jørgen Hemleb font une nouvelle tentative. Ils ont appris des erreurs des autres. Cette fois, seuls les alpinistes qui supportent le mieux l'altitude participeront aux recherches. Les Sherpas sont réputés pour leur résistance et leur capacité physique. L'installation du peuple Sherpa dans le sud-est du Tibet remonte aux années 1530. À cette époque, les Sherpas, littéralement le peuple de l'Est, quittent les montagnes du Tibet pour s'établir dans les vallées himalayennes du Népal. Ils parcourent près de 2000 km avant de s'installer au pied de ces montagnes hautes de 7 à 8 000 mètres d'altitude. Qu'est-ce qui les a poussés à migrer? Cherchaient-ils à fuir leurs propriétaires tibétains ou les invasions mongoles? Les dissensions politiques, sociales et religieuses les ont certainement poussés à quitter leur pays. Les Sherpas étaient en majorité bouddhistes. Aujourd'hui encore, le bouddhisme joue un rôle majeur dans leur vie. Deux fois par jour, une conque retentit pour inviter les moines de Solukhumbu à respecter un moment de prière, la puja. Les rites monastiques bouddhistes comprennent des heures de méditation. Les jeunes garçons intègrent la communauté monastique à l'âge de 5 ou 6 ans. Ils espèrent atteindre un jour l'illumination spirituelle. C'est une vie d'austérité. Les moines ont choisi de renoncer à une vie matérialiste pour se consacrer au Bouddha. Pour les Sherpas, la montagne représente la demeure des dieux. C'est pourquoi beaucoup de clans Sherpas du Solukhumbu vivent au-dessus de 3000 mètres. Le travail quotidien dans les champs explique leur résistance à l'altitude. Des études scientifiques ont montré que les Sherpas ont une respiration particulièrement efficace. Sous l'effet d'un stress important, leur tension artérielle augmente moins que celle d'autres alpinistes. Cependant, malgré leur faculté d'adaptation supérieure, ils ne sont pas immunisés contre le mal des montagnes. Ces dernières années, de nombreux Sherpas ont péri, voulant faire preuve d'héroïsme en se passant d'assistance médicale. À maintes reprises, des guides Sherpas ont caché leurs symptômes du mal des montagnes, de peur de se montrer faibles ou de perdre leur emploi. Voilà pourquoi l'équipe entière, porteurs compris, doit se préparer assidûment à l'excursion. Plusieurs semaines d'acclimatation sont indispensables pour réussir l'ascension. Pendant 3 semaines et demie, les membres de l'expédition vont camper au pied de sommets culminant à 7 ou 8 000 mètres d'altitude. Bientôt, les sentiers herbeux ne sont plus qu'un lointain souvenir.
L'un des temps forts du périple sera l'ascension de trois cols culminant chacun à près de 5000 mètres. Wow. Yeah, baby. Mon Dieu, c'est magnifique. Le col de Renjo leur offre un premier aperçu de ce qui les attend. Ce qui est intéressant, c'est la capacité de résistance des Sherpas. On sait qu'ils sont particulièrement doués et capables de monter très haut en peu de temps. Nous, les Occidentaux, avons besoin de temps de récupération beaucoup plus long. Les Sherpas ont une prédisposition pour ce genre de mission, parce qu'ils savent exploiter les courtes fenêtres de météo clémente. Bourba est surnommé Turbo par ses pairs, parce qu'il figure toujours parmi les premiers grimpeurs d'une expédition. C'est donc lui qui fixe les drapeaux de prière à la crête, aidé de Theo Fritsche. L'opération doit porter chance aux alpinistes. Je suis monté 3 ou 4 fois au sommet de l'Everest et j'ai participé à 5 ou 6 autres ascensions. J'ai aussi gravi l'Annapurna 4 fois, le Barunse, le Makalu et bien d'autres sommets le long de la frontière indo-pakistanaise. Je suis monté en haut du Manaslu aussi. Que fait un Sherpa quand il ne grimpe pas sur les sommets enneigés? Bourba rentre chez lui avec son ami Iberaz. Leur famille vit dans un petit village de la région de Makulu. Pour s'y rendre, ils doivent marcher pendant 4 jours. Faire du stop n'est possible que sur les premiers kilomètres. Dans ce monde haut perché, on circule surtout à pied, parmi les bêtes de somme et les courageux cyclistes. L'étape la plus confortable du voyage de Bourba se termine brusquement. La mousson a rendu la route boueuse, au point d'empêcher un tracteur de circuler. Les villages de la région de Makulu doivent être autosuffisants. Plus bas, le maïs pousse bien. Avant d'être traité, il doit être mis à sécher au soleil de l'été. Bien que de nombreux villages de l'est du Népal aient l'électricité, de nombreuses tâches sont encore effectuées à la main. Le maïs est pulvérisé, tamisé, puis à nouveau transformé. La farine raffinée sert à la fabrication du pain et le gruau à la cuisine. Des heures durant, Bourba et Iberaz continuent de grimper. De temps en temps, ils se font dépasser par des caravanes de mules. Le samedi, c'est jour de marché à Kambari. Les paysans de la région et les marchands ambulants y proposent leurs produits. Pétales de riz, légumes variés, pommes de terre et même des porcelets vendus avec le panier de transport. C'est le dernier grand marché que Bourba trouvera sur sa route. Et il lui reste encore 2 jours de marche avant de rejoindre son village. Le lendemain matin, les deux compagnons reprennent la route. À cette altitude, le paysage est différent. La terre est trop pauvre pour y cultiver du riz. Alors les paysans plantent du maïs et du sorgho, utilisés surtout pour fabriquer la bière locale, la tongba.
Ces dernières années, quelques villages ont été reliés par route. Mais la tâche est difficile en montagne, où la moindre parcelle de terrain est utilisée pour l'agriculture. Cette nouvelle route empêche plusieurs rizières d'être irriguées. Pour y remédier, les paysans y ont creusé de petits canaux. Le riz est l'aliment de base au Népal. Plus de la moitié des terres agricoles du pays sont plantées de rizières soigneusement irriguées. Elles forment le paysage caractéristique de la campagne. La mousson d'été touche à sa fin. Chaque jour ou presque, le ciel s'assombrit vers midi. Quand il ne pleut pas, il y a du brouillard. Dès que le soleil brûlant se voile, les femmes sortent leurs bébés dans leurs poussettes tout terrain. À un jour de marche de chez eux, Pourba et Iberaz rencontrent des hommes de leur village. Après cet accueil joyeux, les hommes du village apportent de mauvaises nouvelles. Suite aux fortes pluies tombées en montagne, la rivière que les Sherpas doivent traverser pour rentrer chez eux est devenue infranchissable. Pourba ne peut pas se permettre d'attendre une décrue s'il veut honorer sa prochaine mission. Il devra patienter encore 3 ou 4 mois avant de revoir sa femme et ses enfants. Pourba décide de s'arrêter chez son oncle qui vit de ce côté de la rivière. Pour s'y rendre, il lui faut encore traverser l'une des dernières parcelles de forêt. Cette forêt, sortie tout droit d'un conte de fées, leur réserve une mauvaise surprise. Elle est remplie de sangsues en quête de sang. En un rien de temps, les jambes de Pourba sont couvertes de sangsues. Pourba tente d'arrêter le saignement avec une fronde de fougère, puis reprend la route sans attendre. Enfin, le troisième jour, Pourba arrive chez son oncle. L'heure est venue de prendre congé de Iberaz, qui attendra que les eaux de la rivière redescendent. L'accueil est chaleureux. L'oncle et le neveu ne se sont pas vus depuis longtemps. Iberaz porte maintenant son lourd panier tout seul. Le portage est le seul moyen de transporter les biens et même les malades. Dans la minuscule cuisine, la cousine de Pourba prépare le déjeuner. Tandis qu'elle fait cuire le chapati, un pain sans levain, Pourba raconte ses aventures dans les montagnes. Il laissera des vêtements et de l'argent à son oncle en attendant que sa femme puisse venir les chercher. La cousine a cuisiné un dal bhat, du riz avec des lentilles, et un curry de légumes. Pourba apprécie l'hospitalité familiale. Mais le meilleur curry reste celui de sa femme et il ne la reverra pas de sitôt. Retour à l'expédition de 2011 avec le Sherpa Nima Tenji.
La période de préparation et d'acclimatation est presque terminée. L'ascension de Highland Peak, à plus de 6000 mètres, sera le test ultime pour les hommes et leur matériel. Quelques heures plus tard, tous les membres de l'expédition ont atteint Highland Peak sans encombre. Ce sommet de 6000 mètres est le moins élevé du palmarès de Nima Tenji. Ça fait 8 ans que je gagne ma vie en faisant des expéditions. Depuis 2004, j'ai gravi l'Everest 6 fois par le côté tibétain et 2 fois par le sud. Je suis monté 2 fois au Shishapangma. Dans notre métier, il est important de mener nos clients jusqu'au sommet, mais aussi de les ramener sains et saufs. J'espère que ce sera le cas cette fois encore. Au Népal, l'alpinisme n'est pas la seule aventure risquée. Même l'estomac de Nima Tenji se contracte chaque fois que son avion atterrit à Lukla. Situé à 2800 mètres d'altitude, l'aéroport de Lukla est l'un des plus dangereux au monde. Le pilote n'a pas droit à l'erreur. Malgré les risques, l'aéroport est très fréquenté. Hormis les touristes, tout ce qui est nécessaire à la vie en montagne arrive par avion. En haute saison, au printemps et à l'automne, plus de 30 avions se posent sur la piste chaque jour. Nima Tenji rentre également chez lui, à 2 jours de marche au sud de Lukla. Dans la capitale du tourisme himalayen, les porteurs se pressent dans la rue. Ces hommes peuvent porter jusqu'à 110 kilos. À Lukla, le tourisme moderne côtoie le travail manuel le plus rude. En l'absence de routes et de camions, on se procure les matériaux de construction sur place. En tant que guide de montagne aguerri, Nima Tenji échappe à ce travail éreintant. De nombreux Sherpas gagnent leur vie en fournissant des pierres pour la construction de routes et de maisons. Sur le chemin du retour, Nima Tenji croise des fermes modestes. Dans ce paysage sans route et aux pentes escarpées, la vie est difficile. Ici, impossible de laisser les veaux et les yaks brouter librement comme dans les plaines. Ce sont souvent les femmes qui vont chercher du fourrage frais pour les animaux. À Solukumbu aussi, chaque mètre carré de terre est utilisé pour la culture de la pomme de terre et du maïs. Ce sont les seuls produits agricoles ou presque qui poussent à cette altitude. Aux environs de midi, des nuages s'amoncellent au-dessus de l'Himalaya. Alors même que la mousson touche à sa fin, il pleut tous les jours. En juillet, les précipitations atteignent 280 cm. Soit 2 fois plus que ce qui tombe dans les Alpes en une année. Les Sherpas ont appris à vivre dans des conditions climatiques extrêmes. Les bâches en plastique permettent de garder le matériel au sec. En fin d'après-midi, Nima Tenji arrive enfin à destination. Ses 2 enfants ont manqué l'école pour l'accueillir.
Après plusieurs mois d'absence, ils sont tout excités de retrouver leur père. Dans la cuisine de la petite maison que Nima Tenji a bâtie de ses mains, les enfants sont impatients de découvrir ce que papa leur a rapporté. Comme tous les enfants du monde, ils adorent les sucreries. Mais d'autres cadeaux éveillent aussi leur curiosité. Le lendemain, les enfants emportent les nouveaux parapluies rouges à l'école. Pour descendre dans la vallée, il faut compter 2 heures. Mais le trajet du retour dure 2h30, ce qui correspond à 4h30 de marche chaque jour. La petite ferme de Nima Tenji est située à 2900 mètres d'altitude. Seuls poussent bien les pommes de terre et le chou. Pendant les quelques mois qu'il passe chez lui, Nima Tenji aide sa femme, Futi. Le reste du temps, elle s'occupe seule du champ et de la maison. Au milieu de la cuisine est empilée la provision annuelle de pommes de terre qui doit leur permettre de passer l'hiver. Pendant que Futi s'occupe des enfants et prépare le dîner, Nima Tenji se rend au monastère de Pangom, non loin de chez lui. Aujourd'hui n'est pas un jour de méditation ni de prière, mais de célébration. Après la danse traditionnelle exécutée par les femmes Sherpa, la modernité reprend le dessus. Un téléphone portable sert de chaînifi. Pendant ce temps, l'expédition 2011 a rejoint le camp de base au Tibet, au nord de l'Everest. Nima, le troisième Sherpa, supervise le chargement des yaks. Tact et bon sens sont indispensables lors de ces négociations. À chaque pesée des paquets, les aides tibétains trouvent un poids différent. Enfin, l'ensemble des bagages est pesé et les différences de poids tirées au clair. Les yaks peuvent être chargés pour l'ascension vers le camp de base avancé. La caravane s'ébranle, emportant le matériel de cuisine, les provisions et les bouteilles de gaz nécessaires pour un mois. Les hommes grimpent de 5300 à 6400 mètres, croisant d'impressionnantes formations de glace, les séracs. C'est là que les Sherpas monteront un camp où les membres de l'expédition resteront un mois, selon les conditions météo. Pour survivre en montagne, il faut se préparer pendant plusieurs mois. Entre deux expéditions, Nima et un collègue s'occupent de l'entretien de l'équipement dans un dépôt de l'agence de trekking. Ils y testent le matériel de cuisine et les cordes. Les masques à oxygène font l'objet d'un contrôle particulier. La défaillance de l'un d'entre eux peut conduire à la mort d'un client. Nima est conscient de sa responsabilité.
Quand les touristes font l'ascension de l'Everest, on est là pour les accompagner. De clients, ils deviennent des amis dont on prend soin. On vérifie que le chemin est sûr. On s'occupe des tentes, des repas et surtout des bouteilles d'oxygène. Lorsque des clients échouent à monter au sommet, on les ramène en toute sécurité. Souvent, ils retentent leur chance. Avec le bouche à oreille, on a plus de clients et notre revenu est assuré. Katmandou, ville fascinante, est le point de départ de la plupart des excursions. Au cours des dernières décennies, le quartier de Tamel est devenu un centre touristique qui offre tout ce qu'un visiteur peut rechercher. Au quotidien, la circulation est totalement chaotique. Dans la lumière dorée des matins d'été, les temples sont les premiers à s'éveiller. Swayambhunath, le temple du singe, est un exemple de coexistence pacifique des principales religions. Bouddhistes et hindous y viennent honorer leur dieu. En ce moment, Nima est chez lui auprès de sa femme sur le point d'accoucher. Il l'aide en s'occupant de leur petit garçon. Au petit déjeuner, on sert la traditionnelle tsampa, de la farine d'orge grillée accompagnée de thé salé au beurre de yak. Après le petit déjeuner, le fils de Nima doit partir pour l'école. Contrairement aux enfants de Nima Tenji, le petit garçon n'a pas à marcher pendant 4h30. Mais la circulation à Katmandou est infernale aux heures de pointe. En dehors de la moto, le moyen le plus rapide de traverser la ville est le tuk-tuk. Ces véhicules à trois roues très fréquents en Asie polluent des villes entières. Mais à Katmandou, beaucoup d'habitants circulent avec des véhicules électriques. Les tuk-tuk électriques sont le seul signe d'une timide prise de conscience écologique. Dans un garage juste à côté de la rue, de jeunes ouvriers font fondre des morceaux de métal dans un fourneau improvisé pour fabriquer des accessoires pour un temple. La pollution et le bruit n'ont pas de limite. Sur l'étal voisin se vend de la viande de sanglier salée. Katmandou grouille de monde et regorge de trésors. Nima se rend rarement dans le quartier de Tamel. Aujourd'hui, il vient chercher un cadeau pour sa femme et c'est ici qu'il trouvera le meilleur choix de châle du Cachemire, les pashminas.
L'après-midi, il fuit le rythme trépidant de la ville et se retire au monastère de Pulahari. Loin du tumulte de la foule, il vient demander la bénédiction du Bouddha sur la naissance à venir de son enfant. Pour cela, Nima allume des lampes à beurre et des bâtons d'encens. Puis, il offre aux jeunes moines des châles de prière et des sucreries, selon la tradition Sherpa. L'expédition 2011 s'ouvre elle aussi avec une cérémonie religieuse. Le lama récite des versets pour demander la protection des membres de l'expédition et éloigner le danger. Gelu est le dernier homme à rejoindre l'équipe. Il a aussi participé à l'expédition de 2010. À l'époque, son équipe avait supporté des conditions météo particulièrement difficiles. Les Sherpas disposent des personnages faits de beurre clarifié ou de sindhou parmi les pierres, à côté des images du Bouddha. Ensuite, ils accrochent des drapeaux de prière dans les quatre directions du vent. La cérémonie se clôt par un lancer de tsampa. Il s'agit par ce geste d'implorer une dernière fois la protection des membres de l'expédition. Les compétences des Sherpas sont recherchées dans le monde entier. Pendant la saison des pluies, beaucoup vont travailler à l'étranger. Gelu est l'un des 100 Sherpas qui passent l'été en Autriche. Cela fait 6 ans qu'il travaille dans les Alpes, près de Salzbourg. 3 ou 4 fois par semaine, il y approvisionne le refuge de Schmidt-Zabirov en produits frais. Bonjour Gelu. C'était difficile? Oui, il fait chaud. Il fait chaud et en plus c'est très lourd, non? Merci. Je mets le reste à la cave? Oui, merci. En Autriche, la plupart des Sherpas travaillent comme porteurs ou comme aides cuisiniers. Est-ce qu'il t'en faut encore? Oui, un peu. T'as bientôt fini? Oui, oui. Merci. Ce travail peu qualifié a pris la tournure d'un vaste programme de formation. De nombreux Sherpas regagnent leur cabane de randonnée armés de nouvelles compétences. Dans les gîtes touristiques situés au pied de l'Himalaya, ces nouvelles compétences sont utiles. Gelu n'est pas seulement devenu un bon cuisinier. Il est aujourd'hui capable de préparer des spécialités autrichiennes traditionnelles. Voilà pour vous. Et voici pour vous. Tout va bien? Mais selon Gelu, la place des Sherpas reste dans la nature. Les Sherpas aiment travailler dans la montagne, c'est certain. Beaucoup n'ont d'ailleurs pas d'autre choix. Une fois qu'un Sherpa a travaillé dans le tourisme de randonnée, il ne veut plus retourner dans un bureau. La plupart des Sherpas exercent le métier de guide jusqu'à l'âge de 55 ans. Ensuite, ils prennent un travail administratif qui leur permet de passer plus de temps avec leur famille. L'important, c'est d'être heureux, quelle que soit son activité. Pour le moment, c'est au milieu des sommets de l'Himalaya que Gelu est le plus heureux. Pendant ce temps, l'équipe qui partira à la recherche du corps d'Andrew Irvine s'est
s'est installé au camp de base avancé, à 6400 mètres d'altitude. La neige tombée quotidiennement ces derniers jours empêche l'expédition d'avancer vers la zone de recherche. Les grimpeurs tentent de tromper l'ennui. Leurs pensées se concentrent sur les recherches qu'ils vont entreprendre. Tous se demandent quelle route Irvine a pu choisir. Notre stratégie de recherche repose sur le fait que le corps d'Irvine a été aperçu de façon certaine au moins une fois, et peut-être même trois. Le récit le plus crédible, à mon avis, est celui de l'alpiniste chinois Qiu Jing, qui en 1960 a aperçu un corps près de la crête. C'était forcément celui d'Irvine, puisqu'à l'époque, les seuls portés disparus dans cette zone étaient Mallory et Irvine. Les alpinistes tentent de s'imaginer à la place d'Irvine dans l'espoir de retrouver sa trace. J'imagine assez bien qu'un homme en état d'épuisement puisse oublier de tourner au bon endroit et continue tout droit à la recherche d'une crevasse. Il a pu chercher une crevasse pour y passer la nuit ou pour survivre, tout simplement. Je propose qu'on emprunte le chemin habituel jusqu'à la crête, comme l'an dernier. Ensuite, on descendra le long de la crête en fouillant bien la zone. Cette année aussi, les grimpeurs rencontrent des obstacles sur leur route. Ils doivent attendre 3 semaines que les autorités chinoises leur accordent le droit de monter. Après cette longue attente, les Sherpas peuvent enfin prendre la route vers le col nord, à 7100 mètres. Là-haut, ils établiront leur camp avec tout le matériel nécessaire aux recherches. Après avoir franchi plusieurs crevasses, ils doivent escalader une pente très raide. Malgré l'altitude, les Sherpas progressent incroyablement vite. Chacun d'entre eux porte une charge de 25 kilos. Malgré le manque d'oxygène, l'ascension de 700 mètres ne leur prendra que 2 heures. Une fois arrivé au col nord, pas question de se reposer. À cette altitude, le temps peut changer instantanément. Les Sherpas doivent installer le campement sans tarder. Bien que le soleil continue de briller, les premières rafales de vent leur compliquent la tâche. À environ 7000 mètres d'altitude, le camp risque d'être frappé par des jet streams, des courants rapides souvent à l'origine des retards de vols intercontinentaux. Il n'est pas rare que les bourrasques atteignent 150 km/h. À la nuit tombée, le vent s'est heureusement calmé. Au camp de base avancée, tout le monde s'affaire. Tandis que les Sherpas préparent les recherches du lendemain, les premiers grimpeurs, semblables à une colonie de fourmis, sont déjà en route vers le sommet.
Au petit matin, le temps est au beau fixe. Mais le météorologiste autrichien Charlie Gabel a annoncé des vents violents pour les jours à venir. Mais les Sherpas ne sont pas découragés pour autant. Sur le chemin vers les deux camps les plus élevés, le trafic est dense. Les premiers grimpeurs qui ont profité du beau temps sont déjà sur le chemin du retour. À travers son télescope, Jörn Emleb observe l'ascension de l'équipe de recherche vers le camp 6, situé à 8300 mètres. Le plus difficile à gérer, c'est le milieu naturel. Dormir dans une tente à 38 ou 40 degrés en dessous de zéro. Au camp 6, on a même du mal à faire fondre la neige. Il faut compter une heure à une heure et demie pour obtenir un litre d'eau. Enfiler une paire de chaussures de randonnée peut prendre plus d'une heure. Et après, il faut encore attacher les crampons. La plupart des gens ne s'imaginent pas ça. Gelo, c'est Théo, tu me reçois? Théo essaie de contacter Gelo. Il devient vite évident que les Sherpas sont partis un jour trop tard. Le vent et le froid glacial les obligent à se retrancher dans leur tente. Je n'ai pas compris, réponds s'il te plaît. La communication est presque impossible. Le vent ramène à nouveau le brouillard sur la montagne. Les Sherpas refusent d'abandonner et redéfinissent sans cesse le parcours à suivre pour effectuer les recherches. Le vent est très violent. On va attendre un peu et on essaiera de partir à 5 heures. Le vent se calme juste à temps. Les Sherpas se dirigent vers la zone de recherche, à 8500 mètres. C'est déjà le deuxième jour qu'ils passent dans ce qu'on appelle la zone mortelle, où la vie est presque impossible. Pourtant, ils continuent de scruter le désert de roches et de glace. Est-ce que vous pouvez faire les recherches sur la crête, tous les quatre ? Les quatre hommes suivent les conseils de Théo et se concentrent sur la crête. La pente est très raide. Les masques à oxygène et les lunettes de protection limitent la visibilité. Le moindre faux pas peut être fatal. Les quatre hommes poursuivent leurs recherches pendant des heures. Mais une nouvelle tempête les contraint à faire marche arrière. Cette année, les fouilles ont été menées de manière plus précise que l'an dernier. On formait presque une famille. Le travail d'équipe était vraiment formidable. On n'a pas trouvé le corps d'Irvine, mais on a beaucoup appris. Une chose est sûre, Irvine ne se trouve pas dans cette zone. Les Sherpas ont fait ce qu'ils ont pu, mais l'endroit regorge de crevasses et de congères. À moins que des vents violents ne viennent dégager la crête enneigée, le mont Everest pourrait garder son secret à jamais. Comment l'histoire s'est-elle terminée pour les quatre Sherpas ? Au bout de 6 mois et demi, Purba a enfin pu retourner auprès de son petit garçon. Nima Tenji a terminé de construire sa maison. Nima a la fierté d'être papa d'une petite fille. Gelu, lui, a passé l'hiver en Allemagne avec sa femme et son enfant.